Shalom à tous, nous voici une fois de plus dans notre rythme concernant donc les shiurim sur la Géoula d'Israël, sur la rédemption d'Israël, sur la Nechama d'Israël. Nous avons conclu lors de notre dernier cours qu'il fallait étudier notre identité nationale, c'est-à-dire la Nechama qui nous fait vivre. Et sans cette étude profonde et approfondie, on peut arriver à des conclusions négatives concernant le temps de notre rédemption, le temps de notre Géoula, à savoir que nous ne sommes pas aptes à être libérés, Or, il n'en est rien, c'est bien le contraire. Non seulement nous sommes aptes à être libérés, mais de plus, cette génération est toujours dans cette qualité, dans cette capacité, car elle a été créée avec ses valeurs de rédemption, de par sa nature, de par sa naissance, de par sa création. Le Rav continue, donc le Rav Harlap, dans notre livre, Marianne HaYeshua, que du chez l'Israël, mitzadaklal la sainteté d'Israël au niveau de son collectif, c'est-à-dire au niveau de sa Nechama collective, de sa Nechama globale, de cette force qu'Akadosh Borhu a créée bien avant l'apparition des êtres. Israël dans ce monde, eh bien, cette sainteté au sein de cette neshama très profonde, céleste, l'Onifgema leolam ne pourra jamais être détériorée, jamais. Cette neshama, elle est de l'ordre de l'infini et elle est à un niveau tellement haut, tellement élevé qu'aucune force négative peut venir perturber, masquer ou trahir. Ce qui fait qu'en réalité, cette Neshama est restée telle qu'elle était lors de sa création, dans sa pleine sainteté, dans sa pleine pureté. C'est un point lumineux, divin, qui vibre à l'intérieur de chacun de nous. Et toutes les parties qui, entre guillemets, se salissent, ne sont que des parties superficielles de notre être ne sont pas notre véritable être intérieur. Il faut bien comprendre cette chose. De là, existe la notion de kapara, le jour de Yom HaKippurim. Comment est-ce possible qu'on puisse faire une kapara Kapara veut dire passer la main et nettoyer une salissure. Mais tout simplement parce que les choses négatives ne touchent pas Israël dans leur essence, ce n'est qu'à la surface... Israël se salisse, donc il suffit de passer la main pour enlever toutes les choses qui ne sont pas de l'ordre de notre identité. Et lorsque je passe la main et que je nettoie la partie superficielle qui s'est peut-être salie, eh bien je retrouve mon intégrité, je trouve ma pureté intérieure telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été, telle qu'elle sera jamais, à tout jamais. Et donc de là, nous pouvons conclure que toutes les fautes, que toutes les déviations, que tous les ratages dans notre vie, ne proviennent que d'une seule source. Mitzadaprat. C'est parce que, à un moment donné, nous sommes sortis de la vision du collectif Israël pour ne devenir que des individuels. C'est-à-dire lorsque l'égoïsme, lorsque l'ego se met à vivre sur le compte de tout ce qu'il y a autour, lorsque la personne pense qu'elle est le centre du monde, c'est-à-dire c'est elle qu'elle place au centre de l'univers et non pas l'éternel et l'éternité, eh bien l'homme en réalité se met lui-même en relief et à partir de ce moment-là il a comme si une existence à part entière lui-même et dès qu'il se soustrait à cette grande Neshama Israël, il est en train déjà de fauter, même avant de commettre une erreur. Car l'erreur, c'est déjà dans le fait de sortir des actes et de la pensée de cette nation, Israël. Donc un homme d'Israël doit toujours aspirer à rester, faire attention de rester rivé, collé à l'existence même de cette Neshama collective, de ce point de lumière, de ce point lumineux. Intègre tel qu'il est dans sa pureté initiale depuis la création du monde. Et Chaque fois qu'un homme d'Israël se soustrait à ce clal, il devient en quelque sorte un rachat, un mécréant. Et donc la faute réside dans le fait de s'éloigner de la nation tout entière. Comment peut-on s'éloigner de la nation d'Israël Malheureusement, par différentes façons. S'éloigner de la terre d'Israël, là où vit la nation d'Israël. Je ne parle pas des individus qui sont juifs, je parle de la nation d'Israël. Eh bien, vivre en dehors du contexte national de la nation d'Israël sur sa terre, c'est l'une des facettes de se soustraire à l'histoire de son peuple et à la géographie de son peuple, et donc à l'identité au niveau du lieu. D'autres façons de se soustraire à cette collectivité, c'est tout simplement de ne pas vivre au rythme de cette pensée profonde du peuple d'Israël, de ses valeurs, de sa Torah, de ses mitzvot. Et la troisième manière de se soustraire, c'est de ne pas vivre au rythme du temps de cette nation Israël, c'est-à-dire ne pas respecter les fêtes, ne pas respecter les jours sacrés ne pas respecter le Shabbat. Et tous ces degrés-là font en sorte que le peuple ne donne pas sa pleine lumière à cet individu. Considérez que le peuple d'Israël n'est pas un ensemble de personnes. Considérez que le peuple d'Israël est une grande Neshama créée par Akadosh Baourou bien avant la création du monde. Considérez que c'est un grand soleil. Et c'est de ce grand soleil que sortent des rayons. En réalité, les rayons n'existent pas, car c'est le soleil qui rayonne. Mais si on éteignait le soleil, il n'y aurait pas de rayons. Moralité, nous sommes comme ces rayons qui sortent de ce grand soleil, et nous n'existons que par l'existence de ce grand soleil. Et ce grand soleil, c'est la nation d'Israël. Lorsque ce grand soleil donne ses rayons, sort de lui ses rayons, eh bien nous vivons de cette grande lumière. Et si Shalom, un rayon par mégarde voudrait se dire moi je suis lumineux, mais je n'ai aucun rapport avec ma source solaire, eh bien il se coupe immédiatement de la vie. Donc chaque élément qui sort de son contexte global, c'est une maladie dans le corps humain. Chaque cellule qui voudrait jouer un autre rôle que l'organisme humain lui a prévu, eh bien, c'est une maladie très grave. Eh bien, la cellule humaine, de la même manière, lorsqu'elle veut se soustraire à l'idée globale, à la forme humaine globale du peuple d'Israël, mais c'est comme cette cellule Veshalom, qui sortait de son contexte, et nous savons quelle maladie. Quelle maladie cela correspond bon, Pour dire les choses clairement, le peuple d'Israël, dans son intériorité, dans ce grand soleil, c'est la pureté totale. Et plus l'homme est lié à ce grand soleil, plus l'homme est proche de ce grand soleil, plus l'homme respecte les données et les valeurs intrinsèques de ce grand soleil, et ne devient qu'une un, qu suite, qu'un épanchement, qu'un éclairage. De ce grand soleil, et eh bien au fur et à mesure qu'il l'éclaire comme ce grand soleil, de la force de ce grand soleil, il joue le rôle de cet organisme complet. Si Khasbek Shalom, il veut se soustraire à cela, il devient donc malade, et il rend malade tout ce qui est autour de lui. Donc il faut revenir simplement au lieu, en tant qu'homme d'Israël, donc revenir à sa terre, faire son alia. Autant, en tant que peuple d'Israël, respecter les temps qui correspondent à notre nature, d'Israël, Shabbat et les fêtes, et à l'être intérieur que nous sommes, respecter donc la manière de vivre qui correspond à notre véritable nature, à notre véritable structure intérieure, et ne pas mentir, ne pas être quelqu'un qui est autre que ce que je suis à l'intérieur. Il faut en quelque sorte que mon être et que mon paraître soient identiques lorsqu'il y a un degré de rassemblement parce qu'il y a ressemblance entre mon être et mon paraître je suis dans un état de délivrance lorsque je m'éloigne de mon être par mon paraître mais je m'éloigne de la délivrance et je rentre dans un contexte d'exil je suis exilé et donc, il s'agit ici de bien comprendre que ces notions d'exil et de délivrance sont des notions très profondes qui poussent l'homme d'Israël d'abord à vivre sa vie d'une manière normale, saine, pour commencer à jouer son rôle sur le podium de l'histoire en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Car l'homme individuel n'a pas de mitzvah individuelle. Si je porte l'etfiline le matin, ce n'est pas parce que je suis un homme religieux qui doit faire un acte individuellement parlant, c'est tout simplement parce que je réalise la mitzvah que la nation de laquelle je suis issu a reçu. Car la mitzvah d'etfiline n'a jamais été donnée à l'homme individuellement parlant. La mitzvah d'etfiline a été donnée à la nation d'Israël. Donc c'est un acte de la nation et lorsque j'applique moi cet acte de la nation, je deviens comme un rayon de la nation d'Israël qui fait des actes de Torah, qui fait des mitzvot qui sont relatifs ces mitzvot à la nation d'Israël et non pas à l'homme. Alors quelle est ma place en tant qu'individu dans tout ce schéma Mais tout simplement que j'ai aussi une liberté d'expression par rapport à cette mitzvah. Autrement dit, bien que le texte de ces phylactère des tfilines, soit le même pour tous, et au niveau de la tête et au niveau des bras, eh bien moi, l'homme individuel, j'ai ma manière à moi de vivre cette mitzvah, ma manière à moi d'attacher mes lanières, ma manière à moi de peindre ces lanières, ou extérieur noir et l'intérieur blanc, ou l'extérieur noir et l'intérieur noir, ou ma manière à moi d'avoir la pensée qu'elle adéquate. Pendant que les filines sont sur moi, et donc avoir un degré d'attachement supérieur ou inférieur selon mon être, selon mes capacités. Donc la base est la même, mais la façon de réaliser est différente selon chacun de nous. Donc nous devons comprendre ce secret-là, c'est-à-dire que nous avons le degré que j'ai tout à l'heure nommé le soleil, qui est en réalité la partie générale, la partie. Qui fait le trait d'union, qui est le dénominateur commun entre nous tous. Mais à travers ce grand soleil, il y a des rayons, et ces rayons peuvent être différents les uns des autres, à condition qu'ils éclairent tous à partir de ce grand soleil et qu'ils n'ont rien d'autre en réalité que ce grand soleil a proposé. Si le rayon venait à se dire moi, j'ai une autre lumière à véhiculer dans le monde ce serait en réalité une catastrophe, ce serait une invention, de toute façon ça n'existe pas. Au niveau des hommes, ils font donc revenir à notre structure, étudier qui nous sommes au niveau de la nation d'Israël, que nous avons été créés en tant que nation, et une fois la chose bien comprise et bien approfondie, c'est une chose qui prend des années, commencer véritablement à vivre les mitzvot que nous appliquons avec un sens intelligent beaucoup plus profond beaucoup plus lié à son essence première, Daudarabha.